Eh bien, salut à tous et bienvenue dans NHL 16. Dans le mode devient DG, épisode numéro 3. Donc aujourd'hui, on va faire le troisième match des San Jose Sharks. Voilà, donc dans l'épopée, dans la saga des Sharks. Voilà, bon, alors, je laisse anglais, je m'en fous en fait. Voilà, donc pour ce troisième match. Bienvenue dans cet épisode. Bon, j'ai fait entre deux, j'ai fait quelques petits matchs sympathiques en mode dans d'autres modes, histoire de tester. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des modes sympas. Alors bon, le mode de le mode carrière devient pro, j'ai envie de dire. Donc avec le gardien, enfin j'ai essayé en tant que gardien, c'est pas évident. C'est un peu catastrophique, faut bien le dire. Enfin, en tout cas, à mon niveau. Je sais pas si c'est parce que je suis vraiment pas doué ou si c'est parce que c'est mal, un petit peu mal conçu. Mais bon, c'est vrai que là, je me prenais genre plus de 20 buts par match. C'était genre. C'était pas juste pas possible quoi. Donc, enfin, c'est. J'ai testé. Bon, je pense que je continuerai. Hein. Peut-être que j'ai besoin de m'entraîner. Mais c'est vraiment pas évident. Par contre, le mode en joueur, j'ai fait aussi un attaquant. Là c'est beaucoup plus réaliste je trouve, et ce qui est sympa c'est qu'on fait les matchs en temps réel, ça c'est vraiment chouette. Alors peut-être si j'ai du temps, j'entamerai peut-être une série en mode devient pro avec ce joueur, ou je continuerai avec ce joueur là peut-être, je vais laisser passer peut-être plusieurs saisons, parce que là il est tout jeune, hein. Il a 15 ans, j'ai fait peut-être une petite douzaine de matchs, donc peut-être je commencerai à faire une série peut-être à sa deuxième ou troisième saison, peut-être quand il intégrera la NHL, parce que je suis pas en NHL, hein, je joue dans les équipes B on va dire. Enfin voilà, enfin bref, je m'égare. On revient sur le sujet du jour qui est le mode de. Le mode. Alors attendez, je retrouve. Oui, voilà, c'est ça. Devient DG, donc BGM carrière. Voilà. Donc c'est reparti donc avec les Sharks. On va recharger notre partie. Donc continue. Voilà voilà. Avec les Sharks, les San Jose Sharks. Moi c'est une équipe que j'aime bien. J'aime bien cette équipe. Je sais pas ce qu'ils vont faire cette année, mais on verra bien, on verra bien. Je suivrai ça de loin, je vous dirai. Je sais que la saison vient de commencer, là, ou elle est pas loin de commencer. Alors, donc nous, on a fait deux matchs, on a perdu nos deux premiers matchs, voilà. Donc il va falloir se réveiller pour essayer de sortir un bon match. Bon, sachant que c'est encore les matchs de pré-saison, hein, c'est match amical encore aujourd'hui, donc voilà, c'est pas très important. Les six premiers matchs, c'est pas très important si on les perd. Enfin, si en même temps, hein, pour la confiance, c'est quand même mieux de les gagner. Donc là, ce qui veut dire, il nous reste encore 4 matchs à jouer avant d'entamer les matchs de NHL. Donc c'est parti, donc on simule jusqu'au jour. Voilà, donc on va jouer le match. On le simule pas, on le joue. Donc, match contre les Ducks, contre Anaheim. Un adversaire toujours solide. Donc c'est parti. J'espère que, comment dire, le fait d'avoir fait un mode avec le joueur, ça, enfin, en mode devient pro, ça permet de progresser un petit peu. J'ai pris quelques réflexes, donc on va voir si ça me sert dans les matchs en mode devient DG. On verra, faut espérer. Alors en tout cas on joue à domicile. Greetings everyone, along with Eddie Olczyk, Ray Ferraro is coming up, and I'm Mike Emmerich. I've had a pad and pen in my hand for a number of years, and a recorder as well, and then we come up to guys like you that coach, and we ask all these questions. It's pretty important, I guess, to respond to us, isn't it? Well, it's part of your job, no question about it now, Doc, and I think for me is that my players always knew where they stood
behind closed doors inside that locker room. But once I got outside to the media, regardless of what I said, they knew exactly what the message was. But as a coach, you're there to market your team. You're there to sell the product, and it's an important part. And it's a part of the job description for a coach to be very cordial, if I could use that word, with the media. Voilà, voilà. Bon, j'ai laissé parler un peu les commentateurs. Histoire de se mettre dans l'ambiance. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il va falloir sortir un bon match en défense. Ah, John Gibson qui a fait qu'un seul match. Il s'est pris deux buts. Allez, donc c'est parti donc pour ce le coup d'envoi. Pavelski's a good face-off man, ready for the Sharks. Getzlaf opposite him for the Ducks. And we are underway. First period of action, and there'll be plenty of action between these two. Perfect tip by the stick. Allez, faut récupérer. Attacking zone. Great save, point blank. Allez, c'est fait. Like he was in too tight on the goaltender. Ah, dommage, 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 dommage. C'était pas mal fait. Et oui, ouverture du score. Oh là là, il a une sacrée barbe lui. Ah oui, c'est vrai que j'oubliais que c'était la mode dans NHL 16, la mode des barbes. Effectivement, lui, c'est du lourd. C'est du très lourd. En tout cas, ça n'a pas empêché de marquer. But de Burns. Voilà. Ouverture du score des San Jose en tout début de match. C'est bien. Mes matchs en mode devient pro porteraient-ils déjà leurs fruits? Je sais pas. En tout cas. Through center ice, he'll continue. Oh, stick save. C'est pareil, j'ai un petit peu appris les fins. Enfin, il y a notamment Jésus. Merci à lui d'ailleurs au passage. Il y a un amateur de ce jeu qui a. Alors c'était sur NHL 15, hein, mais bon, les commandes sont à peu près sont les mêmes. Hein, qui a sorti une vidéo, un tutoriel. Ah dommage. Qui a sorti un tutoriel sur les gestes techniques. Et du coup, j'ai commencé à m'y mettre. Et ça, je pense que ça peut être très, 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 très aidant, effectivement. Ah ouais, égalisation des Ducks. Voilà, on parle, et du coup, on se déconcentre. C'est ça. Ouais, en tout cas. Je commence à me faire warponnage. Ah, il y a ce qui me semblait, il y avait une pénalité. Il y a eu un harponnage. On va jouer à 4 pendant. Allez, c'est pas grave, on essaie d'attaquer quand même. Ah, dommage. Moving it to Kessler and long to Getzlaf. He could start some danger here. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a récupéré. Allez, on y va. Pitching it to Kessler. Gibson qui bloque tout pour l'instant. Ah, nouvelle pénalité. On va jouer à trop là, on va jouer. Anaheim's power play gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. Nice face off work. Almost an ill-advised pass from the goalie. Allez, faut y aller. Pass that can start some progress ahead. Ils ont un peu fermé la porte là, c'est un peu chou. The Ducks go back so that they can come back on this power play. Swept on to Silverberg. The Sharks are back even. Full strength action. Oh là là là. On va finir par se prendre un but si on continue à jouer comme ça. Big drive. Collected now. Voilà. Allez, on récupère. Ah non, on perd le palais. Allez,
On remonte le palais. Ah, dommage. Offensive zone pickup by Cogliano. In the slot, he's got it. To Thornton. Allez, Thornton. Through center ice, he still has it. Fires and a save. Ah, dommage. Snapping a pass to Sekos. Anaheim's in possession as they travel in the defensive zone. Oh, wonderful play. In the slot. Aïe. Deuxième but des Ducks. Ouais, on le sentait venir quand même, hein. J'avoue. A lot of time still left to play, but getting one and breaking the tie was huge. Oh, and here's a 3-on-2. Take it away. Allez. On se décourage pas. Laid on to Getzlaff. Good poke check by Mueller. In front. Terrific save. Out in front. Terrific challenge. Outstanding save. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Allez, il faut récupérer quand même. Allez, on récupère. Ah, dommage, c'est passé à côté cette affaire. Still has control at center. Broke it right up. The puck now possessed by Smith. Backhander to the net. Ah, dommage. Oh, dommage. Le joueur qui a bien coupé la trajectoire, mais le palais qui est pas rentré. Ah mince, j'ai déclenché mon coup de crosse trop tôt. J'ai voulu anticiper le palais. San Jose setting things up in their own end. It's an onside play. Marched narrowly inside. Great shooting lane. Wonderful. Ah, c'est dommage, ça c'était pas mal fait, mais le gardien qui bloque. About cutting down the angle perfectly executed by the goaltender. En tout cas, le mode devient pro en tant que joueur, enfin joueur de champ, je parle pas du mode gardien, il est vraiment chouette. Il est vraiment bien fait, il est réaliste, ça donne envie de vraiment faire une carrière. Je pense vraiment que je vais essayer de faire progresser mon joueur et par la suite je partagerai ça avec vous. Parce que c'est vraiment sympa. The first period has come to an end and both teams got a little confidence out of this and they head to the locker room separated by two. Ouais, pour l'instant effectivement c'est un peu rush quoi. On perd quand même 3-1. First face off of period 2. Ah non. Offside is called. Somebody got over anxious there. San Jose's got it off the draw at center. Trying to go to Pavelski. It's an odd man rush. It's a 3-on-2. Great glove save and he keeps it. That was all positioning right to his glove. Anaheim's got a defensive zone win. Propelled to Getzlaff. He is shut right off. I wonder if that hit will change the momentum of this game. Can they miss that pass? Allez, faut essayer de se ressaisir. Fires, got it all. Now that's a quick glove. Anaheim's in possession as they travel through center. Puck out in front. Oh, what a terrific save in close. Bon, on bloque le palais là parce que casse un peu le rythme. Just under 3 minutes have passed. It's a 3-1 game. Strong play on that face-off. You have to be strong to hold that other guy off. It's a point hammer shot. Aïe, 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 c'est rentré. That one went in off the defense. Ouh là là là, 4-1 déjà. C'est en train de tourner à la correction. Hopefully they don't go daydreaming now. Puck is thrown to Kessler. Bon, finalement, j'ai pas fait tant de progrès que ça. C'est ça. Je pensais mais non en fait. The Sharks continue on at center. Cranks a shot. Looks ahead to start something. Fantastic. Aïe, 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 l'interception. Il part tout seul face au gardien. Oh, heureusement. Il rate la cible. Oh,
to Cogliano. Outstanding save. Difficult opportunity. He missed the opportunity. Ah, c'est contré à chaque fois. Thrown to the slot. Great glove save. Oh, that puck just hit his glove. The Sharks continue on in their own end. Ah, il faut faire circuler. Worked again to Couture. A great block save. Back in his defensive end to get it. Anaheim's continuing on up the wing. Ouais, je vais encore dire avec Sakir. Gets it behind the net. Jabbed away by Dillon. Can he generate something? Cut his glove off. Oh là là, on a de la chance sur ce coup-là. Loose puck regathered by Carlson. Chip to Ward. Moves it to the shadow of the board. Good work with the glove on that one. Ouais. Puck covered, whistle blown. Defensive zone win. The Ducks have it in their own end. Laid on to Perry. Slid to Silverberg. They've got a two-on-one. Right in front. Outstanding save. Just on reputation. You can smell a goal there. Bon, il faut déjà qu'on arrive à endiguer les attaquants, hein. Endiguer les attaques des Ducks. Déjà ça, et ensuite. Oh là là. Et ensuite, essayer de placer les attaques. Mais c'est pas évident du tout. Allez, Hurt, je sais que c'est un bon. Ah, il a été contré. Ah, dommage. J'arrive à. J'arrive à harponner, mais j'arrive pas à exploiter les palais. C'est ça qui est dommage. Possession gained by Brown. Let's it go. That shot hit. Ah, ça passe à côté. Wonderful chance. Pitching this one to Sekoc. Right up the side. Moving along through neutral zone. Side to side they go, trying to generate something. Puck settled down by Torres. Headed right under the shadow of the score. Allez. Ouais, non. Good job in the non, 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 non. C'est bloqué par le gardien. Gibson's been the one key reason that his team's been able to hold on to this lead. He's faced a high percentage of top quality shots. Ah, dommage. Ça aurait pu faire le but, cette affaire. Just a bit under 6 minutes left to go in the period. Anaheim's offense, another wonderful save. Wow, what a save there, Doc. Still has control in neutral ice. And they've got a 3-on-2 here. Heads on to the corner. Gloved. Oh, he thought he had him on the glove side. Ah non, 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 pas ça. Oh là là là. Gaining space, maybe time. Loose puck taken by Perry. The Sharks continue on in the defensive zone. Allez, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Ouais, non, ça va faire dégagement fusé cette affaire. Bah ouais, forcément. Forcément, forcément. San Jose's prevailed on another face. Ouf. The Sharks lug that along. Ils nous mettent la pression, ouais. Ils nous mettent la pression. Ouais, bah ouais, forcément. Je crochette le joueur. Tu m'étonnes qu'il y ait une pénalité. Adjustments. They need to find a way to get more people and pucks to the net. You got it, Eddie. Let's watch to see if you're a prophet here. On to Getzlaff. Wonderful chance. Pass just goes wide. No luck. You're not going to get many chances right from there. You got to hit it. On va s'en prendre. Picked up now by Kessler. On a de la chance. On a de la chance. Ouais, dommage. Alors, on a beaucoup de chance de passer de pris le but là, sur cette attaque. Ouais. Anaheim's really taken the air out of the game defensively, Doc. Their goaltender hasn't had much to do, but he stopped the shots that he's had to. The Ducks with a face-off win. Ouais. Looks ahead to start some. Non, 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 non. An angle to Kessler. Nice fake, shakes him loose. What the sur cette affaire. Allez, fin de la période. Bon, on a pris qu'un seul but sur cette période-là. C'est déjà mieux que la première. On en a pris trois.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à réduire le score. Ils ont continué quand même à creuser l'écart. Ça, par contre, c'est une moins bonne nouvelle. Allez, on va essayer de se remettre au moins de réduire le score. Et pas se prendre le but pendant cette période-ci. Ce serait chouette. Allez. Near the boards. Possession moves straight up to Marlowe. Ah ouais, non. Trop mal positionné pour pouvoir faire quelque chose de concret face au gardien. Laid on to Getzlaff. Pass attempt to Silverberg. Knocked it away with the stick. The Ducks let that puck along the boards. Corralled by Perry. Lightning in that glove. Allez, Hurt. Et oui! Réduction de score. Hurt, je sais que c'est un frappeur. C'est pour ça que j'ai pas hésité à frapper avec lui là. Je savais que c'était un frappeur. Il a placé une belle frappe. Ouais. On avait fait pas mal de petites merveilles dans NHL 15. Avec les quelques matchs que j'ai joué dans le mode de VRDG. Allez, c'est peut-être pas fini. On peut peut-être réussir à revenir dans le match. Si on arrive à inscrire un troisième but, on peut les faire douter. Allez, on y va. Allez, il faut récupérer, voilà, c'est fait. Aïe, 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 attention, on s'est fait contrer. Allez, couture pour Thornton. Ah non, il n'y a personne. Pitching it to Kessler. Allez, récupération. Ah non. J'ai voulu faire le malin et faire des gestes techniques, mais ça m'a fait faire des bêtises. Je suis pas encore, à mon avis, je suis pas encore au point avec ça. Je suis pas encore, je maîtrise pas encore assez vraiment pour les tenter en match. Je vais encore m'améliorer. Ouais, dommage. Under 9 minutes have passed, third period. Anaheim's defense failed one test, but they've passed some others. The end result is they've got a two-goal advantage. He's free, but will it last? Outstanding save. We were looking for a red light there. Surprise. Allez, faut remonter, Torres. Moving along through the neutral zone. Got a piece of it. Picks it up in his own end. Passing one off now to Silverberg. And angled to Getzlaff. Ouh là là. Je comprends rien. Ah ouais, c'est le gars à quel point. Je comprenais plus vraiment ce qui se passait. Ça arrive des fois. Anaheim's got it. Chip to Mueller. Outstanding point blank save. With this puck being so close to that, this is all a reactionary save. Oh yeah. Cinquième but des Ducks. Ouais. Et qui reprennent leur distance au niveau du score. Oh là là, si elle arrivait celle-là. Forcing attention in deep. Slides it to the point to Dillon. Blocked. Two guys are in all alone. Bah oui, forcément, il part tout seul. Il part tout seul. 6 à 2. On est en train de se faire corriger. Third period of play. Good standing poke check by Joel Ward. Let's a shot fly. Got the pad on it. The Ducks organizing back in their own end. Snapping a pass. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas resté muet en attaque, mais le problème, c'est qu'en défense, c'est catastrophique.
c'est toujours aussi catastrophique. On a encore vraiment beaucoup de progrès à faire en défense, ça c'est clair. Ou alors faudrait faire de très 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 gros progrès en attaque pour arriver à inscrire plus de buts qu'on en encaisse. C'est ça. Wouh, il continue à nous mettre la pression là. Il va y avoir, dès qu'on va toucher le palais, l'arbitre va siffler. Ils prennent leur temps. Ils vont essayer de conclure là. Oh là 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 là, on dégage comme on peut. Il reste 2 minutes. Pénalité, forcément, ils ont sorti leur gardien. Oh là là, ouais, forcément. L'arbitre qui arrête le jeu pour activer la pénalité. On joue à 4. Bon, je pense qu'à mon avis, on va rester là. Voire, on va se prendre un but en plus, et voilà. Il suffisait de le dire. 7-2. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on va rejouer à 5 contre 5. La mauvaise, c'est qu'on a encaissé un nouveau but. Allez, couture. Non. Laid on to Couture. Blocked that one. Slid to Getzlaff. Propelled to Perry. Up the wing with it now. Je suis plus à l'aise en mode devient pro qu'en mode. Picked up in the attacking zone. Ouais, nouveau but. Oh là là. C'est vraiment. La défense, c'est vraiment catastrophique. 8-2. Ça me rappelle un 9-2 que j'avais encaissé, je crois, ou je sais plus, à un moment donné, par. Je sais plus si c'était dans NHL 15, il me semble. Il se calme pas, hein. Il continue d'attaquer comme si c'était 0-0. Sans pitié, sans pitié. Ouais, fin du match. Défaite du San Jose 8-2 voilà, contre les Ducks. Heureusement, ce n'est qu'un match. Ce n'est qu'un match de amical, enfin un match de pré-saison, heureusement. Mais bon, si on joue comme ça en championnat, ça va être le massacre. Bon, enfin bref, on verra ça la prochaine fois. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour le match numéro 4. Mode devient DG dans NHL 16. Allez, ciao, salut, à la prochaine.